Le désert du Sahara, le Gryas et la Méditerranée sont des cimetières pour les migrants. À cause de l'instabilité politique en Afrique, les entreprises ont fermé leurs portes. Et cela a entraîné le chômage. La jeunesse obsédée par l'Occident décide de prendre la route d'immigration. Avec 5% de chances de réussite, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à destination. À jamais la Méditerranée, non, non, je veux plus finir en prison. À jamais le grillage du Maroc, non, non, je veux plus me voir blesser. A jamais le coffre du voiture pour rentrer en Espagne ou à Tripoli. Non, non, je suis pas un mouton. A jamais le désert du Sahara. Non, non, je veux plus mourir de soif. Combien de gens ont perdu la vie dans la traversée du Sahara? Très souvent abandonnés par leurs chauffeurs. Par manque de l'eau et de nourriture, combien de personnes ont été prises en otage pour être vendues comme des esclaves en fonction du poids et de leur taille. Le désert du Sahara, le Gryas et la Méditerranée sont des cimetières pour les migrants. À mes frères et soeurs qui sont encore au pays, n'abandonnez pas vos activités pour le rêve de l'Occident. C'est un voyage au risque de la vie. Ne te laisse pas emporter par les photos de selfies de tes amis qui sont de l'autre côté. L'Europe de la télévision est différente de l'Europe en réalité. Je reste chez moi en Afrique, c'est ici que se trouve le bonheur. Je reste chez moi en Afrique, c'est ici que se trouve le bonheur. C'est ici que se trouve l'hospitalité. Les coqs qui vous rassurent de partir sont des criminels et des traîtres. Ils veulent vous racketter. Ils vous conduisent à l'abattoir et s'en foutent du reste. J'en ai vu assez de femmes subir l'agression sexuelle. J'en ai vu plein de clandestins taper le tchad pour chasser de quoi à manger. J'ai vu beaucoup de jeunes filles se prostituer afin de rembourser la dette au pays. J'ai vu beaucoup de jeunes diplômés dans les chantiers en Algérie devenir maçons ou manœuvres. Je demande aux dirigeants africains, pitié, pitié de la jeunesse de ton pays. Il faut créer l'emploi dans le pays afin de stopper l'immigration clandestine. À tous les cadres africains qui vivent en Europe et qui refusent de rentrer pour servir le pays, sachez que vous êtes les people de la récession d'Afrique. Attention aux seuls qui abandonnent les enfants au pays, pour le goût du Koweït et de Dubaï. À tous les jeunes immigrés de l'Europe, ne perdez votre pas,
Ne perdez pas votre temps pour la fin du papier. Il faut penser à l'avenir. Le gouvernement marchande les bourses d'études au lieu de les octroyer aux étudiants méritants. Attention au serpent du 2R, plus jamais ça. Attention aux embarcations de la Libye. Attention aux grillades du Maroc. Attention au canal du Suez. Attention au détroit de Gibraltar. Attention aux coxeurs sataniques. Je suis pas un suicidaire. Non, non. Je suis pas un terroriste. Non, non. Je suis pas une prostituée. Non, non. Je suis pas un animal. Non, non. Ma vie est plus chère pour finir au fond de la mer. Le refoulement sauvage de l'Algérie doit prendre fin immédiatement. Il faut libérer les clandestins prisonniers. J'ai dit merci à la Croix-Rouge. J'ai dit merci à l'OIM. Thank you. J'ai dit merci à l'Aquarius pour m'avoir sauvé sur la mer. Merci à SOS Méditerranée. Merci, merci pour tout.